Yo tout le monde, c'est Hugo les gens. On se retrouve pour une vidéo. Notre première vidéo. Pack opening sur Black Strike. On va tenter d'avoir des bons petits camouflages. Donc pour ça, j'ai 34 119 d'argent et 1040 d'or. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va faire des caisses bleues et des caisses noires secrètes. Donc j'espère qu'on va avoir du bon truc avec les secrètes. En espérant peut-être une arme. Mais de sûr, déjà, ce que je vais faire avec l'argent, je m'en fous, il n'y a pas de... quoi. Directement, non, pas les serveurs. On va acheter l'Elsat, une arme très très chère. On espère en prendre comme chose dessus. Boum ! Voilà. C'est tout ce qu'on achètera, après ce sera que des caisses. Donc là, il n'y aura pas de vidéo et tout, vu que... Enfin, il n'y aura pas de vidéo quand on aura sur la caisse et tout. Donc voilà, je vous montre. On va faire 10 caisses secrets et environ 7 ou 8 bases. Et peut-être des normales, on verra. Donc déjà, on va commencer par les bases. Parce que c'est un peu les plus pourris. Alors, sorti. Voyons voir. Est-ce que j'aurais du bon truc? C'est rose, c'est légendaire. Ah, Galil Nature, j'ai déjà. Donc attendez, je me suis en pause, on se retrouve juste après. Donc j'ai eu la galerie de nature et j'ai gagné 300 d'argent. Donc voici un titre normal. S'il vous plaît, donnez-moi un truc, un camouflage sur une arme que j'ai pas. Ou un camouflage que j'ai pas. Non ! Oh la hache en rose. Bon, j'avoue que cette batte est quand même très jolie. Donc on va la mettre. Parce que je vais vous montrer la batte qu'on avait avant. Voilà, c'est comme ça. Donc je trouve que c'est deux fois plus joli comme ça. Je trouve. Mais j'aime pas trop la batte de baseball. Là, il y a des bons camouflages sur la batte. Donc on va se refaire une normale. Parce que la normale m'a donné de la chance. Allez, s'il te plaît. Donne-moi un camouflage sur le tech. Un truc comme ça. J'aime bien le camouflage sur le tech. Ah non. Non. Combien d'argent en plus? 100. Donne-toi un camouflage de merde. Allez, une petite à 3000. S'il te plaît, de la chance, du bon truc. Alors. Ah, le sniper en bleu. Ça, c'est nickel. Sur le R500, le R700, que je n'avais pas de camouflage dessus. Donc, c'est nickel. Oh, perso, je le trouve très joli. Regardez, le R700. Donc, il n'y a pas beaucoup de camouflage dessus. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, comme la L7. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Non, il n'y en a que 4, ouais. Et le plus rare, à mon avis, enfin le plus joli pour moi, c'est le premier. Je trouve très joli. Vert, là, comme ça, tranquille. Trop joli. Voilà, bon, bah au moins, on a eu un camouflage sur une arme qu'on n'avait pas. Donc là, on peut en live, voilà. Bon, au moins, on a une arme, un camouflage sur une arme qu'on n'avait pas. Donc le bleu nous porte de la chance, on va en faire une. Alors, voyons voir. Ah oui, ça c'est joli aussi quand même. Ah oui, néon. AWP néon. C'est pas mal. Je trouve celui-là aussi très joli hein, par rapport au Edgehigger qui est bien. Mais bon, voilà. Je préfère quand même le néon. Le néon qui est... Non, c'est pas lui. Le néon... Oh, lui est joli. Le néon, il est... Juste, oh, je sais pas où il est. Il doit être rare quand même. Néon, il est où? Là, je l'ai vu. Quand même très stylé, hein, néon. Donc après, donc le bleu nous porte vraiment de la chance. Donc je propose qu'on refasse encore une. Alors. Voyons voir. Oh, la Scar! Oh! Camouflage légendaire sur la Scar! Oh nickel, en plus j'avais pas de camouflage dessus non plus. Le bleu nous porte vraiment de la chance. Oh là là. Camouflage légendaire sur la Scar. Donc je reprécise que blanc c'est nul. Bleu c'est bien. Enfin c'est moyen. Vert c'est... Enfin rouge c'est bien. Et rose c'est légendaire en fait. Et rouge c'est bien aussi comme camouflage et tout. Donc un camouflage légendaire sur... La Scar, donc ça fait quand même bien plaisir. Non, pas le Space 12.
Parce que je n'avais pas de camouflage dessus déjà. Oh là. C'était le dernier camouflage. Donc j'ai le dernier camouflage du. De la Scar. Donc allez. Donc le bleu nous porte vraiment de la chance. Après on va faire une blanche. Alors s'il te plaît, un camouflage sur le Desert Eagle ou sur le Tech. Oh là là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le Tech. Oh là là. Non mais sérieux. En fait le bleu nous porte vraiment de la chance. Hein. Le Tech, quoi, énorme que le. D'ailleurs, faut que je me l'achète, j'ai oublié. Ben on voit qu'il y a de l'argent maintenant. Désolé Jean. Il me le faut. Je le sélectionne directement. Il me le faut. Il est très important. Donc on pourra faire presque plus de classe. Oh celui-là il est trop beau. L'arme là, petit connard, là, un petit connard. Voilà, bon. On va se faire une blanche. On va se faire trois blanches du coup et une dernière bleue après. Donc je te paye un peu de chance. Oh le couteau en or. Oh s'il te plaît. C'est pas possible, genre. Desert Eagle en bronze. Donc il est pas mal du tout. On obtient plein de camouflages sur des armes que je n'avais pas. Donc je crois que j'ai des camouflages pour toutes les armes. Oh j'aimerais bien avoir le magnum en or, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas grave. Le couteau en or ça va être trop bien. Donc là je pourrais m'acheter le katana, mais j'ai pas trop envie. Je préfère garder le couteau perso. Oh là 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 là. Oh c'est énorme. Donc juste déjà on va enlever le son parce qu'on sait jamais. Puis voilà, on reprend. Donc si vous me demandez pourquoi je peux acheter des armes et le truc, parce qu'il n'y est plus, tout simplement. Donc voilà, donc ça sert pas d'acheter. Mais je crois que je suis dans un truc secret. Donc allez. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un camouflage sur une arme que j'ai pas. Ah non. J'avais pas ce camouflage. Attendez, je remets sur pause. Voilà donc j'ai eu la MP en dogface, mais je vais la laisser en bio parce qu'elle est plus stylée en bio qu'en dogface. Donc allez, s'il vous plaît, un truc que j'ai, pour une fois je demande. Bye, je l'avais pas. Et je trouve qu'il est plus stylé que l'autre que j'avais. Donc moi sérieux, je mets pas par rapport aux légendaires, trucs comme ça. Moi je mets par rapport au camouflage que je trouve les plus stylés. Non, pas sélectionné. Je sélectionne mon tech moi. Le tech, il est trop puissant. Donc voilà, donc on va prendre le Dave. Donc lui c'est le pistolet, je pense qu'il y a plus de camouflage. Voilà. Donc après, il nous reste une caisse à faire bleue. J'espère que c'est un truc que j'ai pas. Et s'il vous plaît, un camouflage que j'ai pas. Ou sur une arme que j'ai pas. Ou sinon sur une arme que j'ai déjà. Oh la hache, j'avais pas de camouflage dessus, mais c'est dommage qu'on termine sur ça. Bon, mais du coup, les caisses bleues sont terminées et les caisses normales. Donc là, on se fera des caisses rouges, roses et noires. Donc, du coup, voilà. Comme ça, on testera un peu toutes les caisses. Donc, c'est dommage hein, que je l'ai terminé sur ça, mais c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien m'acheter une petite arme comme ça, mais le couteau, vraiment, je trouve que c'est le plus utile, hein, vraiment, parce que le katana est trop long. Ce qui fait qu'on peut se louper beaucoup souvent avec. Mais bon, au moins, j'aurai un camouflage sur toutes les armes de mêlée, donc ça fait quand même plaisir. Et il est plutôt joli. Et quand même, il fait partie du troisième camouflage. Avant, quand même, il est un peu légendaire, et je trouve ça un peu joli. Donc allez, donc on va commencer par une caisse professionnelle. Donc rouge, en fait, c'est professionnel, voilà, donc attendez. Donc rouge c'est professionnel, rose c'est légendaire, bleu c'est je sais plus quoi. Oh un camouflage rouge néo. Oh il est beau. Sur la FAMAS. Oh là 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 là. La FAMAS, un camouflage que j'avais pas tué. Donc j'aimerais bien aussi un autre camouflage pour le Nova. Désolé pour les bruits derrière. Et un autre camouflage aussi pour la P90, très bien. Oh là là, la FAMAS, elle a un camouflage et il est très joli. Bon c'est pas le plus joli de tous ceux qu'il y a là quand même. Mais il est joli quand même. Voilà, donc quelle arme encore il y a, j'ai, donc je fais gaffe un peu à pas sélectionner. Elle s'attend dans le cœur, je suis. Ah la Scar, elle est trop belle. Donc après, quelle arme, j'ai pas de camouflage dessus. La G36, la Elsat. Et c'est tout. Il y a plus que deux armes et j'aurai tous un camouflage sur les deux armes. Donc maintenant, on va se faire une légendaire. Donc il y a plus de chances d'avoir un camouflage légendaire. Donc on aura quoi? Ah non, non, non! Ah non!
Bon, 8 golden quand même, c'est acceptable. Mais c'est dommage, parce que justement, là, je viens de niquer de l'or juste pour recevoir après un truc comme ça, vraiment, voilà. Bon, on va se refaire un professionnel. Bon, c'est dommage, parce que le truc, je l'avais déjà, justement, mais après, c'est pas grave. Ah oui, le couteau en sienne, comme flash légendaire, mais j'aurais préféré l'avoir en or, hein, quand même. Mais bon, il est plus joli que celui-là, les gars. J'aimais pas le bleu foncé, j'aimais pas le marron comme ça. Ah, lui, j'aimerais trop avoir le stylet, mais je préfère avoir celui en or. Perso, Bloisen va être dégoûté, parce que vu que je joue avec lui, hein, il devrait être dégoûté. Mais c'est pas grave, hein, écoutez. Donc voilà. Donc on refait, non, on va se faire une secrète. Donc c'est quoi, arme secrète? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh non, non, pas sur la hache, mais non. Pff, en plus, c'est pas très beau. Bon, on va le laisser. Oh non, je suis un peu dégoûté. Bon, on va refaire une professionnelle, parce que c'est un peu là où j'ai de la chance, en fait. Alors. Oh oui, P90 en vert et noir. Elle est trop belle. C'est beaucoup mieux que la P90 en vert olive, là, je sais pas quoi. C'est beaucoup mieux. Bon, j'aimerais bien avoir quand même un camouflage sur la LSAT, si c'est pas trop demandé, parce que je crois qu'il y en a qu'un seul qui est disponible sur la LSAT. Oh, le tueur, le beau. Bon, un goin, si, pas mal. Donc, bon. Ah ouais, quand même. S'il te plaît, tu vas me dire que lui, il est légendaire. Donc, ce camouflage est très joli, hein, vraiment, je trouve. Donc, la LSAT, il y a combien de camouflages dessus qui sont disponibles dans le truc? Donc elle, vraiment, elle en a beaucoup, mais j'ai pas de chance, donc du coup... Alors regardez, vous voyez, elle en a quand même un peu beaucoup. Enfin, presque tous sont dans la caisse, en fait. Et donc là, Elsa, t'as là qu'un camouflage, ouais, il me semble. Oui, voilà, il y a que celui-là qui est disponible dans le... dans les caisses, donc allez. Bon, j'espère avoir de la chance, hein. Donc, secret. S'il te plaît, secret, me trahis pas. Ah oui! Ah, ce couteau est très joli, oui! Ah, c'est une arme secrète en plus! Les armes secrètes, ce sont des nouvelles armes! Ok, voilà! Ok, je comprends maintenant! À quoi ressemble un truc secret? Ah ouais! Un nouveau couteau, voilà, c'est lui! Et il a des camouflages en plus! Il en a qu'un seul, je l'ai eu avec! Ah oui, j'ai un nouveau couteau! Ah ouais, ah ouais, quand même. J'avais que 5% de, 5% de l'avoir, hein, quand même. Bon, allez, on va se refaire une profession, légendaire. Légendaire va être une pour ses chances. Ah oui, le magnum en dragon, j'accepte. Parce que l'autre, là, il est un peu moche. Donc, le magnum en dragon qu'on va mettre tout de suite. Même s'il n'est pas plus beau que ça, mais ça va quand même. Il est plus beau que celui-là. Oh, lui. Ah, mais il coûte 25 pièces d'or. En fait, j'aimerais bien le prendre. Me le prendre. Perso. Est-ce que je me le prends? Attendez, attendez, attendez. Est-ce que le couteau en or, lui, il coûte de l'or? Non, on peut l'avoir dans le cas. Donc, ouais, je pense que je vais le prendre en or. Parce que je le trouve. Vous allez me dire, mais je suis con, j'achète et tout. Avec de l'or, alors je pourrais utiliser des caisses, mais ouais, mais je préfère vraiment l'avoir comme ça. Hein. Elle est beaucoup plus beau. Voilà, bon, du coup, là, on va se refaire un secret. S'il te plaît. Donc, les armes secrets, je pense que c'est des armes de mêlée. Hein. Ah, une famasse. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Je vous avoue, en plus, c'est un camouflage légendaire. C'est pas mal du tout. Et je veux juste savoir c'est quoi. Oui, c'était Néo. Donc lequel est le plus joli? Ça, je ne sais pas. C'est celui-là. Donc vraiment, moi, je préfère lui. Voilà. Qualité légendaire. Donc là, on va se refaire une légendaire. Donc il n'y a que dans les secrets, je crois qu'on peut avoir des armes légendaires. Enfin, des armes secrètes. Ah non, non, non. Ah, je vous dis, mais non, ça ne me sert plus à rien, les P90. J'en ai déjà une très jolie.
25, allez. On va faire dans l'ordre comme ça, je pense, à chaque fois. Ah non, mais non. Maintenant, il me donne des camouflages que j'ai déjà. Bon, allez. Désolé pour le bruit de moto. Bon, alors, secret, qu'est-ce que je vais avoir? Peut-être un autre couteau secret? Ah oui! Ah, ça, c'est du lourd. AWP Desert Lore que je bois beaucoup. Mais je préfère quand même garder le trou rouge et truc. Donc, allez, 75 légendaires. J'aimerais bien avoir un camouflage sur la LSAT. Le camouflage sur la LSAT, sérieux. Ah, pingouin. Pas mal. Même si j'ai dit que je voulais plus du camouflage dessus, il est pas mal. Hein. Donc, allez. Je laisse quand même le P90, j'attends plus jeu. La LSAT, non! Oh non, 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 non. Non, mais pas ça, quoi. Je l'avais pas, mais non. Bon, ben allez. On se fait deux secrets, c'est fini. Bon, celui-là est beaucoup mieux que celui que j'avais, donc je vais pas me plaindre. Voilà. Lui est beaucoup mieux. Il nous reste 100 gold. Dernière caisse. Bon. Du coup, le USP, voilà. On va le mettre en rose comme ça, là. Voilà. J'ai que des camouflages peau sur tous les trucs. Pff, allez, s'il vous plaît, Zidane, donne-moi, s'il te plaît. Donne-moi le couteau doré ou la LSAT. Hein, le camouflage sur la LSAT. Ou le camouflage sur la G36. S'il te plaît. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Putain, je te déteste, là. Non. Pff. Oh non, finition de fin horrible. On finit sur une fin horrible. Non, mais non. En plus, il est moche le camouflage que j'ai vu. Bon, du coup, je vais le mettre sur pause. Je vais essayer d'avoir de l'argent dans les caisses gratuites. Et on essaiera de se faire un dernier caisse à 1000. Donc, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai eu l'argent. Donc, c'est parti. Après, on fera quelques caisses gratuites pour essayer d'avoir de bons trucs. Mais bien sûr, je couperai avant de mettre la caisse. Au moins, il y a la vidéo qui passe. Allez, donc est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, ton flash sur la LSAT ou sur le G36 ou sinon le couteau en or? Oh non, oh non, non. J'aurais encore mieux voir le désert seul. Bon, moi j'ai encore 100 d'argent, mais c'est de la merde. Bon, ben voilà. Donc je coupe, on fait la vidéo. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va avoir? De l'argent. Bon, bah du coup on va s'en refaire une. Voilà, allez. Oh s'il te plaît, quoi. Non mais ça c'était dégueulasse. Ils vous montrent plein de trucs rouges juste pour que vous ayez de l'or. Encore si ce serait 10 or et 500 d'argent, là ok, je comprendrais. Mais là c'est... Là, c'est infaisable quand tu fasses un truc avec 55 d'argent et 2 heures. C'est déconné, ça. Bon, allez, on va s'en ouvrir un autre.